Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, multiplie ses stratégies de campagne de proximité dans les Bamboutos à l'ouest du Cameroun. C'est l'esplanade du centre de santé intégré de Bamendidja, village situé à 4 km de Bouda, qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de dons constituée d'un microscope de nouvelle génération et d'un groupe électrogène à usage pétrole lampant. Ce geste très salutaire pour les populations de Bamendidja et leur chef supérieur, Tanefo Jean-Marie, est l'œuvre de Tchouchoua Luka, digne fils de ce village et candidat au municipal du double scrutin des municipales et législatives du 30 septembre prochain. Sa Majesté Tanefo Jean-Marie, roi des Bamendidja, acteur du développement et par ailleurs gardien des valeurs ancestrales, a félicité ce geste de cœur et a appelé les utilisateurs de ce matériel à en faire bon usage. Notre aire de santé n'avait pas de microscope. Nous disons merci à ce digne fils de Bamendidja qui est candidat, qui a songé qu'il pouvait aider les populations en offrant un groupe électrogène et un microscope de dernier cri pour notre aire de santé. Au nom de toutes les populations de Bamendidja, je lui dis merci. Ce centre de santé intégré de Bamendidja, qui accueille en moyenne 20 malades par semaine, avait encore le problème crucial du matériel dont, après les consultations, il fallait se rendre à Bouda pour les examens. Le généreux donateur a d'ailleurs expliqué à notre micro ce qui l'a motivé à faire ce geste. La seule chose qui me motive, c'est de faire savoir à toute la communauté Bamendidja que le RDPC est le parti qui promet et réalise. Qui réalise même avant de vous dire que j'ai fait telle chose. Je ne suis qu'un petit maillon du RDPC. C'est vrai. Mais